La Toti est en approche et si tu veux te faire plaisir, je te conseille d'aller sur Instant Gaming. Attention, carte PSN à seulement 41,99€ au lieu de 50. C'est exceptionnel, n'hésite pas à aller voir, le lien est en premier dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez bien. 41e épisode d'Avec 0€, c'est mieux dans cette vidéo. Toute l'équipe va être chamboulée après ces deux packs, c'est juste incroyable. J'ai bien fait d'ouvrir, de pas attendre la Toti. Alors, certains vont me dire, oh, t'aurais dû attendre parce qu'il aurait été Toti. Mais on sait à quel point, quand un joueur est Toti ou pas Toti, tu le packs pas de la même façon. C'est beaucoup, beaucoup plus dur. En tout cas, ça va tout changer dans mon équipe. Ça va tout changer en termes de crédit. Franchement, le compte à 0€ devient juste exceptionnel. Je vous laisse découvrir tout ça. Je pense pas vous avoir spoil dans le titre. En tout cas, franchement, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la partager parce que je pense qu'elle le mérite. Moi, je vous fais des bisous à tous et je vous laisse découvrir tout ça. C'est parti. Parce que là il me reste plus que deux jetons à récupérer. J'ai récupéré moi ce matin en match amico première ligue. Et c'était quoi l'autre? Première ligue et Bundesliga, donc ça a été assez rapide. Et là il me reste plus que à finir en échange icône Italie et Liga Portugal. Alors le player pick, je suis pas sûr de craquer les gars. Vous avez vu le prix pour avoir un base middle? Vous avez vu le prix? C'est à dire que pour réussir à être gagnant, faut vraiment paquer du très très sale quand même. Faut vraiment paquer du très très sale. C'est ma grosse team. Donc voilà, hein, la grosse team elle est là. Le plus méta, évidemment, ça serait mettre Guendouzi Neymar. Là, franchement, j'ai assez. Hein, je vais pas vous mentir. J'ai assez pour acheter Guendouzi Neymar. Là, ça serait le plus méta et je pense que mon équipe serait juste incroyable. Je pense que Guendouzi Neymar, et là, on est sur du. On est sur de la bonne team. Là, franchement, Hernandez en défense est très très fort. Cancelo, il est incroyable. Vieira, franchement, c'est dur de faire mieux. Vieira, Guendouzi au milieu. Et là, ça ferait une attaque Neymar, Mbappé, Dalglish, best. Et au pire, si on fait Icardi, on pourrait le mettre, les gars. Il faut qu'on soit content. Hein. Celui-là, on va l'apprécier. Hein, parce que c'est long à faire, hein, ces putains de jetons de merde. Hein. On va l'apprécier demain. Même si on a de la merde, on va l'apprécier, je vous le dis. Hein. Demain, on passe 2 heures à ouvrir le pack icône. Hein. On va faire stat par stat cette fois-ci. Vraiment. Ah, faut qu'on l'apprécie, hein. C'est trop long à faire, hein, ce putain de SBC icône. Hein. Non, c'est trop trop long. Hein. Là, on a déjà 6 jetons. Il m'en manque plus que 2, et en sachant qu'il me reste qu'un match à faire pour l'un d'eux. Donc demain, on aura le pack icône à ouvrir. Un petit Mbappé. Ah, ça n'a pas marché. Same player, play again. Allez, un petit Mbappé. Ah, voilà. Ah, bah au moins Suarez. Voilà, 88, c'est la prédit qui passe, les gars. Bon. Il y en a un qui l'a annoncé tout à l'heure. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, il y en a un qui a dit « T'auras Suarez ». Les gars, vous êtes dans le futur. Hein. Et le 88 qui passe à la dernière. Mais bien joué pour la prédit, les gars. Bien joué, bien joué, bien joué. Bah oui, bah voilà. Alors franchement, attaquant, à chaque fois, ça a bien marché. Hein. La dernière fois, c'était un peu pareil. Je crois que j'avais eu 88, 85, 84. Bah là, voilà. Ça, c'est. Si j'avais eu ça dans tous, j'aurais été content, les gars. Bon, là, c'est pas fou. Hein. Pour finir les jetons. C'est con, il manquait plus qu'un match à faire. Allez, Maro, Icardi, à voir ce que ça donne. Alors, pour le mettre dans l'équipe. Voir un peu si c'est bien, pas bien. Ok, c'est vrai qu'il a vraiment une très belle carte quand même. Après, à voir ce que ça donne in-game, hein. C'est peut-être pas si évident que ça de jouer avec. Et ben, je vais vous dire si Icardi il est bon, les gars. En sachant qu'on n'avait pas fait un seul match rival de la semaine, donc espérons être bon. Même s'il est nul sur les matchs là, c'est pas lui qu'on teste, les gars. Ah, d'accord, ok, bon, très bien. Oh, très, très bien, très, très bien. C'est quoi ça, Icardi? Mais c'est quoi ça, Icardi? Mais ça va trop vite, Icardi, les gars! Oui, c'est bien joué, ça, c'est bien joué! Le Undertaker sur le côté! Qui a montré le talent. Oui, ou non. Ah, l'enveloppé, c'est pas terrible. Ah non, l'enveloppé, là, je suis pas fan. Hein. Ah, l'enveloppé, non. Là, pas d'accord. Ah oui, mais Icardi, ça va trop vite. Oh, mais je frappe, là. Je frappe là. Oh, j'ai tenté, il fallait tenter, les gars. Et je trouve que c'est pas pareil que quand tu mets un joueur que tu as décidé de mettre à. Oh, bien joué ça. Vas-y, hein. Ah, oh, bien joué ça. Oh, dommage, Mbappé. Marc avec Icardi. Tu sais que j'essaye, hein, quand même. Hein, je fais pas semblant de pas réussir à marquer avec. Hein. Marc, j'aime bien. Marc! Alors, la tête. Oh, oui, bien, 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 la tête. Ah, là, je suis déçu de sa frappe. Là, franchement, j'ai bien mis quasiment les 3 de force. Je suis un peu déçu de la frappe, là. Oh oui! Oh, Icardi! Mais tu me régales, Icardi, la petite talonnade! Et derrière, la chatounette.
Ouais, bien Tchouaméni, bien mon Tchouaméni. En tout cas, il était très fort son Ronaldo, c'est trop fort les gars. Bon, 9 tirs à, 9 tirs à 4. À voir ce que ça donne sur... Comme ça j'ai l'impression que c'est pas mal Icardi. Après, c'est très spécifique comme attaquant. Hein. Je vais pas te mentir que si t'aimes pas les attaquants un peu lourds et tout, je pense que passe ton chemin. La tête! La tête! Under pour le Claquito, son premier but! En tant qu'Icampi! Bon, la passe. Coup du foulard l'homme, non! Oh, le coup du foulard l'homme, c'était en trop, je suis désolé, j'étais obligé de le tenter. Oh là, 9, non, c'est Icardi, homme du match, 4 passes, tu me diras. Non, moi j'aurais mis Toko, qui a été la lumière. Oh là, les 1920, les gars, 1920 de notre technique. Va-t-on atteindre les 2000? On est à 84, je veux dire, donc plus que 16 matchs, les gars. 16 matchs et on aura le duo pack joueur rare, pack jumbo, donc ça c'est cool. Non, franchement, Icardi, j'ai pas grand-chose à dire, les gars. Franchement, je suis plutôt surpris positivement. Après, là, l'attaque, tu vois... Quand t'as des bons joueurs comme Mbappé, Icardi, sur les côtés, tu peux mettre pas n'importe qui non plus, parce que c'est quand même des bons joueurs, Toko Ekambi et Under, mais je trouve que c'est presque moins grave. Là, d'avoir l'axe était costaud. La défense, bah franchement, lui, il a été très fort aussi. Hein. Tchouaméni, plutôt très, très impressionnant. Toko Ekambi qui a régalé, hein, il a eu du mal jusqu'à maintenant. Allez, le pack icône, je sais que vous êtes là pour ça. Allez, pack icône les gars, on est parti. Elle pack des icônes, ah, c'est où? Échange. Alors échange, pack icône base moyen. Bah, espérons qu'on va avoir un peu de chance les gars. Espérons, normalement j'avais mis tout sur le banc, on n'a plus qu'à l'échanger. Et grande des pack icônes, ouais, à mon avis. Quand c'est gratuit, cette année, quand c'est gratuit en général, j'ai pas eu beaucoup de chance quand c'était gratuit. Donc, je m'attends à pas grand chose, les gars. Pack icône base moyen. Espérons qu'on ait un peu de chance, les gars. Allez, bonne chance. Mais merci, les gars. Allez, je vous fais pas patienter plus. Après, on va aller tester la mise à jour. Merci à tous d'être aussi nombreux. Alors, l'image qui nous a porté chance jusqu'à maintenant. Pack icône base moyenne gratos. J'espère que vous avez eu de la chance dans les vôtres. Allez, on met patoche. Allez, c'est ouvert. Attends, c'est bon là. J'ai pas fait de conneries. Hein. Pas de doublon. Hein. Non, c'est pas de doublon. On va regarder si ça marche bien. On va aller faire comme on fait d'habitude. On va faire Écosse. Et là, il va y avoir deux Dalglish. Non, il y en a qu'un. C'est le stress, les gars. C'est le stress. Normalement, on en a un. On a bien Sanchez. C'est bon, on en a pas deux. C'est cool. République d'Irlande, c'est fait. Irlande du Nord, bah, ça me ferait pas très rire parce que j'ai déjà. Irlande du Nord, pas deux, hein, voilà, c'est bien. Roumanie, non, j'ai fait. Roumanie, j'ai fait, c'est sûr. Japon, j'ai fait. C'est Cameroun. Alors là, ça serait bien. Là, ça serait bien, mais voilà, fallait pas rêver non plus. C'est un peu compliqué. Hein. Cameroun, il est tellement chien, il est tellement bon. Côte d'Ivoire, on dit pas non. Côte d'Ivoire, c'est fait. Hein. Nigeria, c'est déjà fait. Croatie, non. Eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose dans le jeu ? Il y a Bulgarie. Oh ! C'est pas mal ! Un Stoïkov, les gars, on voulait un AG ! Mais oui ! Mais... Ah, j'applaudis ! Musique de la joie, quand même. Petite musique de la joie. Allez, quand même, ça mérite. Oh, le petit Stoïkov, on voulait un AG ! Mais pas besoin d'acheter ! Il suffit de le paquer ! Mais oui ! Ah, mais le pack gratos qui est bien, hein. Franchement, bonne icône, les gars. Mais oui ! On l'a trouvé, notre AG. Désolé insigné, hein. Bienvenue au club à Stoïkov. Grosse chatounette dans les packs icônes les gars. Grosse chatounette quand même. C'est même un peu impressionnant. Il est quoi, 4 et 3 hein, je crois. Ok, 4 et 3. Il est à gauche. Ça fait très icône. Très icône 87 000. Hein. En pack qu'on a aujourd'hui, qu'on va vous ouvrir, c'est les derniers les gars, parce qu'après je vous dis, je vais garder pour vendredi. Donc on a un pack or rare, on a un pack méga, on a les packs 3 attaquants, on a le défenseur, un pack jumbo, pack joueur, pack or rare, pack méga, donc on a pas mal de packs. J'avais plus assez de joueurs, de fodders pour le 83+ défenseur, donc on se le fera dans la continuité. En clash équipe, il ne nous reste plus que 7 matchs et on aura le pack ultime. Donc ça c'est bien, le pack ultime qui se rapproche, plus que 7 matchs. Bon ça va aller vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pack premier détenteur, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse quand même quelques matchs Rivals, parce qu'il nous reste encore 14 victoires à faire Rivals pour obtenir le pack à 100 000. Et le pack à 50 000, donc ça c'est un petit peu long. FIFA 19, ça a dû être l'apogée. Et après, je te dis, FIFA 20, j'ai mis 3 fois moins. L'année dernière, j'ai mis 2 fois moins. Et là, cette année, pas un seul centime. Rien, que dalle, que chi. C'est la banquière qui est contente.
Est-ce qu'il coûte un peu plus cher, lui? J'ai mis la tête, hein. J'ai pas pris mon cachet aujourd'hui. Ah, il a l'air de coûter un peu plus. Bon, on va le vendre. Allez, 3005. On a besoin de crédit. Hein. Laissez-moi tranquille, ne me jugez pas, j'ai besoin de crédit. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a? Pack méga, vendable. Allez, hein, mieux que tout à l'heure, parce que là, sans anime, sans rien. Donne-moi un petit 86, là. Ah, grosse anime. Français, BU. Oui! Mais oui! J'ai annoncé! Alors, t'attends la Tutti? Mais non, n'attends pas la Tutti! Bien sûr, là! Il est où, Mbappé? Il est où, là? Il est pas ici? Oh, mais attends la Tutti, Cédric! Mais non, n'attends pas! Là, Mbappé! Mais c'était sûr, en fait! La voix aiguë est revenue. La voix aiguë, c'est une obligation, les gars. Merci pour tous les GG, vous êtes trop mignons, les gars. GG, c'est beau. Merci, mon petit sapin. Mais quel crack. Putain, c'est fou, quand même. Ah là 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 là. Et ah, les mauvaises langues vont dire « Oui, mais si t'avais attendu un Tutti, peut-être que tu l'aurais eu en Tutti. » Mais non, mais tu l'aurais jamais eu en Tutti. Je l'aurais jamais eu en Tutti. Ça tombe jamais quand c'est en Tutti, quand ça coûte 6 millions et quelques. C'est impossible à paquer. Oh là là, cette chatte. Allez, le million. Le million, le million, le million. Ah, c'est peut-être R9 que je vais acheter à force. Hein. Non! Ouais, c'est bien Mbappé. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Putain, mais il est dur à jouer. Ah, la victoire, musique de la joie, les gars. Bien sûr. Allez, la victoire, les gars. On a bien les 7. On aura la récompense. On aura la carte rouge demain. Vu ce qu'on a eu depuis le début de l'année dans les cartes rouges, je ne m'attends à rien, mais on ne sait jamais. Bon, les gars, on va s'arrêter là. On a été chercher cette victoire. On a été chercher le Mbappé qu'on voulait. Hein. Je vous rappelle quand même que c'était l'un des objectifs, les gars. C'était l'un des objectifs. Mbappé et Stoïkov et Mbappé vendable, monsieur. Donc, c'est juste incroyable. L'équipe est grandement amélioré. J'ai encore fait 2-3 petits changements dans l'équipe. Je vais te la présenter juste avant la Tutti ou au tout début de la Tutti pour te montrer à quel point elle est extraordinaire. Là, je viens d'acheter Guendouzi pour pouvoir le tester au milieu de terrain avec Vira. Je pense que ça va vraiment faire très bon ménage. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le gros like, à vous abonner, cloche des notifications et à la partager. C'est vrai que je le dis jamais. Merci à tous. Je vous fais des bisous. Ciao, les gars.